France, quelque chose d'intéressant. On va parler de tout le monde. En fait, j'ai en 2005, puisqu'on a aussi fait en 2005, en France, une personne handicapée a le droit à 3 heures par jour. 3 heures par jour. Donc, il y a des soins de famille, soins de conjoint. Ma femme, à l'époque, a subi tout seul pendant 23 ans. Je l'ai mis pour l'équivalent de 700 euros. Oui, il y avait l'institution. Et donc, en 2001, avec ma femme, elle a décidé de divorcer. Et donc, j'avais le choix, soit de finir mes jours à l'institution, soit d'obtenir du gouvernement une révolution en politique du handicap. Et donc j'ai fait une grève de la faim médiatisée qui a déjà fait bouger les lignes. Mais ce n'était pas suffisant. Donc j'ai fait une deuxième grève de la faim avec une dizaine de personnes handicapées qui m'ont rejoint grâce à l'Internet. Et grâce à la médiatisation, ces deux grèves de la faim médiatisées ont permis la création de ce qui deviendra la prestation de compensation du handicap. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Une subvention qui est versée tous les mois à toute personne handicapée, physique, mentale, visuelle, sensorielle. Elle est calculée au cas par cas. C'est-à-dire que vous n'êtes plus par catégorie. Vous êtes un individu. Elle est calculée en fonction de la dépendance de chaque personne. Elle va en moyenne de 3 heures à 34 heures par mois. De 3 heures à 34 heures par jour. Moi, j'ai 32 heures, par exemple. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que emplois. Premier,
grote zak. Wanneer die creatuur dan vlakt, in de zak van het kantje. La question qui se pose aujourd'hui,
Quelle est la valeur de la personne? Si on est juste bon, accroupir dans des institutions, pourquoi on ne met pas dans des chambres de gaz? C'est que quelque part on est trop. Si on a juste droit à des institutions, si on est juste bon à être assuré, c'est quoi ça là encore? J'ai un handicap, je suis comme un malade. C'est pas une assurance de payer. C'est pas une assurance. Je ne suis pas malade. Je suis différent, je suis spécifique. Donc, quelle est ma place dans une société? Quelle est ma valeur? C'est quoi tous ces gros mots? Citoyenneté, autorité. Mais franchement, c'est du blabla. C'est du blabla. Et hier soir, j'étais invité par Joël et par des amis en fauteuil. Je suis arrivé un peu tard. Et j'ai tellement pris l'habitude que je suis tombé des nues. Quand j'ai su qu'à 21h, on ferme la petite, il faut rentrer. Tandis que c'est ça la vie. C'est ça, je refuse qu'on arrête de faire des grands discours tout le temps, nous enfermant dans le différent, tout en nous faisant payer la différence. Je choque en disant que les nazis nous ont gazés. Mais pour les nazis, on était trop. Vous avez été radicaux, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que votre valeur, qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce qui intéresse vous les mettre en institution, c'est faire de nous des assistés. Des citoyennes secondes. Je suis désolé, l'institution, c'est ça. D'autant quand l'institution, elle n'est pas un visage humain. Donnez-moi de vivre notre vie au quotidien. C'est nous donner les moyens. Et quand on est donc citoyen, donc responsable, en institution, on est une charge. On est une charge de l'arrivée. À domicile, si on est les moyens, si on a les moyens, on peut s'investir. Chacun à son niveau. Chacun avec ses capacités. Parce que Joël parlait du travail en milieu ordinaire. Je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que quand je regarde les statistiques en France, 80% de personnes handicapées ne dépassent pas le troisième. À un niveau culturel dans le monde du handicap, c'est la misère. Et il n'y a pas d'autonomie sans culture. Parce que sans culture, on ne peut pas argumenter. On ne peut pas prétendre avoir une place qu'on ne pourra pas. Assumer. La politique du handicap pour moi, aujourd'hui, c'est un ensemble. Il faut tout revoir. Tout, c'est ce qu'on a fait en France. Et c'est loin d'être réussi parce que la loi n'est pas appliquée. Ou imparfaitement.
France a suivi l'exemple de la Suède et l'a adapté à sa culture. Ça a été une avancée énorme. Aujourd'hui, avec mes 4 accompagnants qui travaillent, 48 thérapies de rôle, je vis la vie que je veux. Personne ne me dit quand je dois me coucher, quand je dois rentrer à la maison, quand je dois faire pipi ou pas. Mais j'ai 32 heures. Quelqu'un qui a 3 heures ou 6 heures se retrouve avec le même problème. La seule différence, c'est que en France, on a du choix. On a du choix entre les systèmes prestataires, donc ce sont des services d'aide à domicile qui mettent à disposition du personnel et qui décident plus ou moins 10 heures de présence. Vous avez un système mandataire où vous-même, vous choisissez vos accompagnants, vous les recrutez, et une association s'occupe de toute la gestion administrative et autre. Et vous avez l'emploi direct. C'est-à-dire ce que moi je fais. Le conseil général verse tous les mois 11 000 euros et c'est moi qui gère tout. Salaire, contrat, tout. Je suis complètement autonome. Personne ne me dit ce que je dois faire comment. Et pourquoi c'est moi qui décide. Mais encore faut-il avoir la capacité. Parce que c'est une responsabilité énorme. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi humain. On est responsable de ses emplois. Totalement. On a la responsabilité d'un patron, d'un employeur. On ne peut pas tout faire, n'importe quoi. Il y a des règles à respecter. Donc, c'est possible. C'est possible, et quand je vois ce qui se passe au Luxembourg, je dis, mais on est à des années-lumière. Et qu'au Luxembourg, qui est quand même un pays très riche, qui veut le beurre et l'argent du beurre, en fait, la place de la personne handicapée, elle est à la marge. On le sait parce qu'il faut, parce qu'on est un pays civilisé. On le fait parce que les politiques, luxembourgeois comme France, ont des visions à court terme quelconque. Donc, la politique du handicap à court terme, et forcément, je te le dis, c'est forcément très cher. Mais si on regarde en moyen terme, et à long terme, les gains
Übergangs innerer. Innerer zum Trotzobjektor. Zum Trotzobjektor. Es gibt nicht die Feinde. Eradiquer les institutions. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui préféreront aller en institution. J'en ai rencontré qui m'ont dit mais j'ai pas envie de sortir. Je me sens bien, j'ai besoin de ça. Je me sens plus en sécurité. J'aimerais juste mieux vivre. J'aimerais juste qu'on respecte plus. Qu'on écoute plus mes doléances. Voilà. Moi, je pense qu'une bonne société, c'est une société qui donne le choix. Plus on a de choix, mieux on peut vivre et s'adapter dans une société. Tout le monde n'a pas envie de la même chose. Tout le monde n'est pas fait pour l'institution. Tout le monde n'est pas fait pour le domicile. C'est tout le problème. Il y a autant d'attentes et de besoins qu'il y a de personnes handicapées. J'en suis convaincu. Nous sommes tous spécifiques. Il faut qu'on arrête de nous gérer dans les cases. Il faut qu'on arrête de nous mettre tous dans les cases. Et que ceux qui ont envie ou besoin d'être assistés, et bien puissent être assistés. Et ceux qui ont envie d'être autonomes, et bien qu'on leur offre les moyens d'y être. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en plus du handicap, on dépense une énergie folle. Prendre le droit de vivre, alors que on a des potentialités, tous, on en a tous, et si on lui donnait les moyens d'exprimer et d'exploiter ces potentialités, une richesse pour la société. Ce serait une richesse pour le Luxembourg. Comme pour la France ou pour l'Allemagne. Quand on aura compris ça, on avancera très vite. À condition d'abord de faire travailler des personnes handicapées expertes dans les milieux du handicap. Parce que tout le problème, c'est que la politique du handicap, elle est gérée par des technocrates qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils font. Ils connaissent des textes par cœur, mais notre réalité, sûrement pas. On est les seuls à la connaître. Après, il y a des besoins souvent antagonistes entre personnes handicapées physiques, sensorielles ou mentales. Et là, il faut trouver juste milieu. Ça, c'est une question d'intelligence. En France, on avance. Il n'y a pas de raison que vous n'avanciez pas. Parce que depuis hier, j'ai rencontré une personne déterminée qui est contre des personnes déterminées
Il est très difficile de lutter. La condition est solidaire. Et bien les franco. C'est-à-dire en mercenaire. Vous êtes des mercenaires. Dans une société comme celle-là, vous êtes des mercenaires. Quand vous tuez les premiers.